Et voilà, nous sommes en direct. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Se Retrouver, donc votre live quotidien pour vous recentrer, pratiquer et essayer de retrouver sérénité pendant ce confinement. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Isabelle Castellané, qui est sophrologue. Et ensemble, on va faire des exercices qui vont nous permettre en fait d'évacuer et de nous libérer de nos anxiétés et également de retrouver de la vitalité. Bonjour Isabelle! Bonjour, Comment vas-tu? très bien, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous, avec vous tous. Donc toi, tu es sophrologue à Sceaux et aujourd'hui, donc tu nous proposes une série d'exercices, hein, c'est ça? Tout à fait, moi je suis sophrologue installée à Sceaux, j'exerce en français et en anglais. D'accord. Je travaille beaucoup autour de l'anxiété, du stress, du burn-out, du sommeil. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une série d'exercices très simples à reproduire en autonomie ensuite pour à la fois libérer les tensions en trop dans le corps, dans le mental, se libérer de ce poids, de cette anxiété, et particulièrement avec la période que nous vivons, on peut réellement sentir parfois cette lourdeur, cette inquiétude peut-être. Donc, on va revenir ici et maintenant dans le présent, faire ces exercices de libération. Et puis on va ensuite faire monter du positif, de l'énergie, avec de la visualisation et la respiration que nous allons utiliser aussi pour diffuser du positif dans le corps, de l'énergie vitale. Génial. Bon, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou en commentaire là si vous rejoignez le live en cours de route. On va faire donc les exercices en même temps qu'Isabelle. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser pendant ou après au revisionnage. Isabelle sera là pour y répondre. Donc c'est parti, place à la pratique. C'est parti, on y va. Allez, on y va. On y va. Donc, je vais déjà vous présenter les exercices que nous allons faire afin que vous soyez vraiment confortable ensuite pour les reproduire, sachant que je vous accompagnerai avec ma voix et en faisant les exercices en même temps que vous pendant toute la durée de ce live. Nous allons commencer par nous installer assis. Donc, je vous propose de travailler assis aujourd'hui. Une assise confortable pour vous et de bien sentir nos points d'appui, notre présence. Et nous allons, notre premier exercice, commencer par faire monter nos mains à notre poitrine en inspirant, descendre les mains sur les genoux en expirant. À vrai dire, nous allons suivre notre respiration. Les mains montent à l'inspire, descendent à l'expire. Et nous allons faire plusieurs fois cette pratique, le temps de se centrer sur nous. Quand nous aurons fait plusieurs fois cette pratique, nous commencerons à être davantage en présence, présent à notre respiration. Nous allons faire une libération des tensions inutiles qui se fait en respiration retenue. Je vous montre une fois. Nous allons vider l'air, inspirer profondément, retenir l'air, étendre tout notre corps à notre manière, les bras, les jambes, peut-être même le visage dans une grimace. Pas trop longtemps, le temps juste. Expirez, relâchez. Et au moment du relâchement, nous prendrons vraiment un temps avec l'expiration pour vider toutes les tensions du corps mental. Et je vous invite à faire cette pratique deux fois. Ensuite, nous serons sur la chaise, contact avec tout notre corps, présence à nous-mêmes. Je vous guiderai avec la voix et nous allons évoquer l'image d'une montgolfière. Et là, je ne vous en dis pas plus, vous suivrez ma voix. Vous vous laisserez emmener avec moi dans cette visualisation, si elle vous convient bien sûr. Et puis, avec cette visualisation, nous allons continuer de libérer ce qui peut peser. Ensuite, nous allons reprendre l'exercice que j'ai montré au démarrage. Je monte les mains à la poitrine à l'inspiration, je baisse les mains à l'expiration. Mais cette fois-ci, à chaque fois que nous allons inspirer, nous allons faire monter des ressources, des capacités dont nous avons besoin pour retrouver une bonne énergie, une bonne vitalité. Nous ferons monter de la confiance, de la sécurité, de l'énergie dans tout le corps. Et puis nous prendrons une petite pause pour intégrer tout ça tranquillement, sans rien faire, juste en étant présent à nous-mêmes. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, si vous êtes prêtes, je vous invite à démarrer cette séance. Et je vous invite à bien prendre conscience de votre position assise, de vos points d'appui sur le fauteuil, la chaise, le lit, le canapé que vous avez choisi.
Sentir vos pieds qui touchent le sol, peut-être complètement, peut-être en partie. L'arrière de vos cuisses, les fessiers sur l'assise. Sentir peut-être votre dos contre le dossier, peut-être pas, tout est parfait. Sentir la présence de tout le corps, ici et maintenant, sur cette chaise, ce fauteuil, ce canapé. Vous laissez progressivement la présence à vous devenir plus intense, davantage là, et je vais vous inviter à vous concentrer sur votre respiration naturelle, sans chercher à la modifier. Simplement constater comme vous respirez ici et maintenant. Prendre le rythme respiratoire, faire le constat d'une respiration vaste ou étroite, rapide ou bien lente ou toute autre chose. C'est un simple constat sans jugement, sans interprétation, avec bienveillance. Et je vous invite à amener vos mains au niveau de votre poitrine, levez les avant-bras à chaque fois que vous inspirez. Et baissez les mains sur les genoux à chaque fois que vous expirez. Et vous levez tranquillement les mains à la poitrine quand vous inspirez. Et les mains, les bras redescendent sur les genoux quand vous expirez. Et chacun, chacune, vous suivez le rythme de votre propre respiration. Les bras suivent en fait le rythme de votre respiration, de vos inspires, de vos expires, de votre état intérieur d'ici et maintenant. Vous accueillez toutes les sensations, les ressentis dans le corps, émotionnel, physique. Au fur et à mesure que vous laissez aller vos bras, vos mains, au rythme de l'inspire et de l'expire. Peut-être la détente s'installe dans votre corps, peut-être ressentez-vous le besoin de bâiller. C'est parfait, vous vous laissez bâiller tranquillement. Et vous laissez progressivement, avec cette respiration régulière, le calme s'installer. À votre rythme. Et puis, tranquillement, délicatement, vous pourrez déposer vos mains sur les genoux et prendre un temps d'accueil de votre état intérieur tel qu'il est dans l'instant. La respiration redevient complètement libre. Et nous allons maintenant libérer les tensions inutiles qui peut-être sont présentes dans le corps physiquement, tension physique, tension émotionnelle, tension psychique, que nous accumulons sans parfois nous rendre compte. Et pour cela, je vous invite à vider l'air pour démarrer, vider vos poumons. Inspirez profondément. Bloquez la respiration, étendre tout votre corps, tous les muscles du corps à votre manière. Ça peut être les bras, les jambes et même le visage dans une grimace en respiration retenue. Bien sûr, vous gardez le souffle retenu le temps juste sans forcer. Et vous pouvez expirer. Relâchez tous les muscles du corps. Laissez les bras redescendre, les jambes redescendre, le visage se lisser. À chaque expiration, vous videz le trop-plein. Tension physique, tension émotionnelle, psychique, comme un soupir. Et vous accueillez les sensations corporelles de tension, puis de détente. Et nous allons refaire cette expérience une seconde fois pour nous assurer de bien vider toutes ces tensions inutiles qui s'accumulent. Ensemble, nous vidons l'air, nous vidons les poumons. Nous inspirons profondément. Rétention de l'air et tension de tout mon corps. Vous pouvez tendre des muscles que vous n'avez pas tendus la première fois, tous les muscles que vous souhaitez, de la tête, du visage, des bras, des jambes, tout le corps. Expiration, relâchement, chacun, chacune à son rythme. Et là, vous laissez tout déposer. Tout le corps se dépose.
La respiration redevient libre. Et vous restez quelques instants dans l'écoute des sensations, des ressentis, des perceptions corporelles, quelles qu'elles soient. Peut-être neutre, peut-être agréable, peut-être des tensions qui se rendent présentes dans le silence du corps. C'est pour le mieux d'accueillir le langage de notre corps. Votre corps se pose, se dépose, se repose en respiration libre. Vous prenez un temps pour être avec vous-même dans l'instant, sans rien faire. Vous prenez conscience de votre tête et de votre visage, soutenu par le cou. Prenez conscience du bas du visage, de vos mâchoires que vous laissez se relâcher. La conscience se porte sur vos épaules qui s'alourdissent, le haut de vos bras jusqu'au bout des doigts déposés. Tout votre buste qui respire profondément, calmement, tranquillement. Prenez conscience de votre dos, de l'alignement de votre colonne vertébrale, vertèbre sur vertèbre, de la détente profonde, progressive de tous les muscles du dos. Conscience du bassin déposé, des cuisses et des jambes, jusqu'au bout des pieds. Conscience de vos pieds déposés, à leur manière, qui vous maintiennent en sécurité. Vous êtes présente à tout votre corps dans l'instant, aux sensations, aux ressentis extérieurs, aux sensations, aux ressentis en profondeur. Et vous prenez plaisir à respirer. Chaque nouvel inspire, chaque nouvel expire, juste dans l'instant. En mettant de côté les contrariétés du passé, en ne vous préoccupant pas des préoccupations, des soucis de l'avenir, juste ici et maintenant, en conscience de tout votre corps déposé sur cette assise que vous avez choisie. La respiration est libre, calme, profonde, tranquille. Et je vous invite à faire venir à votre écran mental, à votre imagination, un paysage de nature très vaste, une grande étendue de nature. Au-dessus, un ciel, un temps très lumineux, peut-être du soleil si cela vous convient. Un soleil qui n'est pas trop chaud, la juste luminosité pour nous donner de l'énergie. Cette lumière du soleil qui nous nourrit. Et dans cet espace de nature où vous vous trouvez, où vous respirez, sans contrainte, librement, tranquillement. Voilà qu'apparaît une montgolfière. C'est votre montgolfière, chacun la sienne. Vous voyez sa taille, sa forme. Vous voyez sur le ballon les couleurs, les dessins. Vous voyez la nacelle. Vous voyez avec le plus de détails possible cette montgolfière dans l'instant. Et vous inspirez, vous expirez tranquillement. Cette montgolfière est une alliée. Il vous est possible maintenant de déposer dans la nacelle de cette montgolfière tout ce qui vous pèse, tension physique, tension psychique, émotion, ressenti, tout le poids, si vous avez du poids, si c'est trop lourd, des mots, des situations. Vous pouvez déposer dans cette nacelle tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous empêche à l'intérieur de vous libérer pour une meilleure énergie vitale. Vous libérez tout l'espace intérieur, le corps, le mental, en déposant tout ce qui vous vient dans l'instant. Avec beaucoup de bienveillance et de douceur, vous déposez tout ce qui peut peser, tout ce qui peut vous inquiéter. Pensée, ressenti, douleur.
nous continuons à nous débarrasser de ce poids trop lourd en le déposant dans cette nacelle. Quelques instants en silence, je vous laisse déposer, prendre le temps. Quand vous avez posé tout ce qui vous vient, ici et maintenant, vous allez voir cette montgolfière s'envoler, s'éloigner. Elle s'envole, elle emmène avec elle ce qui est trop lourd. Elle s'envole progressivement, vous la suivez des yeux dans ce beau ciel, ce grand ciel, cette étendue de nature, très vaste, très libre. Vous la suivez des yeux, elle devient de plus en plus petite au fur et à mesure qu'elle s'élève dans le ciel, jusqu'à la voir disparaître, emmener avec elle ce qui vous pesait. Et quand elle a complètement disparu, vous prenez un temps pour sentir comment vous vous sentez maintenant et ressentir les sensations dans le corps. Peut-être un renouveau, une nouvelle liberté, une nouvelle légèreté, un espace plus vaste à l'intérieur où toutes vos ressources, vos capacités peuvent s'exprimer. Vous respirez profondément. Vous pouvez prendre le temps d'admirer ce paysage de nature où vous vous trouvez, de sentir peut-être le soleil vous éclairer, vous amener son énergie, pourquoi pas, sa chaleur, à l'extérieur, même se diffuser à l'intérieur de vous. Et puis les images s'estompent, de la nature, du paysage, du ciel, du soleil et de la montgolfière. Et vous savez que si vous en avez besoin, vous pourrez rappeler cette montgolfière quand c'est trop lourd pour déposer et laisser partir. Et nous allons reprendre notre exercice du début de séance. Nous allons à nouveau à l'inspire monter nos mains vers la poitrine, tranquillement. Et à l'expire, baissez nos mains vers les cuisses en soufflant. Et cette fois-ci, à l'inspire, nous allons rajouter de la sécurité. Nous faisons monter de la sécurité à l'inspiration. J'inspire, mes mains montent. La sécurité monte dans tout le corps. J'expire à mon rythme, bien sûr, chacun son rythme. Les mains descendent et je diffuse avec le souffle la sécurité dans tout mon corps. Et puis j'inspire et je fais monter la confiance. Prochaine inspiration, les mains qui montent. Inspiration profonde, c'est la confiance qui monte dans tout le corps, dans chaque cellule, tissu, organe. Et quand je vide l'air, quand je souffle, en descendant les mains, même comme si je scannais le corps, je diffuse cette confiance partout dans mon corps, de la tête aux pieds. Et quand j'inspire une troisième fois, je fais monter de l'énergie vitale à l'inspire. Et puis je souffle à ma manière, je redescends les mains, je peux même peut-être faire comme si je scannais mon corps pour diffuser cette énergie vitale dans tout mon corps. Puis je continue à faire monter avec les mains qui montent des ressources dont j'ai besoin ici et maintenant, quelque chose de positif, quelque chose qui me correspond à moi dans l'instant. Et quand je descends les mains, je souffle. Et quand j'inspire, c'est du positif qui monte dans le corps avec les mains qui montent. Et quand j'expire, je souffle et je diffuse. Et puis les mains vont se redéposer délicatement sur les cuisses, sans contrainte. Et je laisse dans mon esprit ces mots de confiance, de sécurité, d'énergie vitale ou toute autre ressource positive qui vous correspond. Je les laisse diffuser dans la tête, le corps,
peut-être même comme s'ils étaient écrits et qu'ils m'enveloppaient tout autour du corps. Je me sens en sécurité, en confiance. Je sens cette énergie qui se diffuse dans tout mon corps. Et nous prenons une pause d'intégration, une pause de silence, juste quelques instants en présence à vous-même. Prendre le temps d'intégrer, bénéficier ces exercices de libération des tensions, de respiration et de visualisation. En respirant amplement, calmement, nous sommes sans juger, sans interpréter, avec douceur et bienveillance, en présence à nous-mêmes, pour un précieux temps de pause où le temps s'arrête. C'est rien que pour vous. Puis nous allons nous préparer à remettre un peu de conscience, de vigilance dans le corps progressivement. Vous pouvez prendre votre temps pour mettre du mouvement dans vos chevilles, dans vos pieds, bien vous situer dans votre espace ici et maintenant, sur votre assise. Bougez les poignets, vous pouvez frotter les mains, frotter les bras. Vous pouvez tapoter, vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Prendre le temps de retrouver un niveau de conscience, de vigilance ordinaire. Prendre le temps pour rouvrir vos yeux tranquillement, sans brusquer. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, revenir ici et maintenant dans votre espace. Et ouvrir les yeux tranquillement et sourire à la vie. Ah, ben merci beaucoup Isabelle. C'était vraiment chouette. Ça, j'espère que pour vous aussi, ça a apporté énormément de détente, vraiment très profond. Alors, à chaque fois que j'anime des lives de sophrologie, moi j'ai du mal à revenir en fait à l'animation parce que j'en ai les yeux qui pleurent, tu vois, tellement je... Non, c'est super, merci beaucoup. Donc ça, c'est des exercices qu'on peut reconvoquer à tout moment. Tout à fait. Donc, vous avez vu des exercices simples, respirer en même temps, descendant les bras, très tranquillement, revenir à soi, prendre des pauses, libérer les tensions avec ces tensions corporelles en respiration retenue musculaire et relâchée. Ça, c'est conseillé de le faire tous les jours pour nettoyer à l'intérieur toutes ces tensions qui s'accumulent. Évoquer des images agréables. Là, on a évoqué la nature, la montgolfière qui emmène ce qui est trop lourd. Ça peut être un paysage de nature, tout simplement, où on se sent bien. Et puis revenir à faire monter avec des mots positifs et la respiration vraiment des ressources d'énergie, de vitalité, de confiance dont on a besoin dans le corps. Oui, tout à fait. Se répéter des mots positifs pour que tout notre corps et notre mental et nos émotions, notre cœur aussi, retrouvent de la sérénité, de la confiance et de l'énergie. Et alors, j'ai une question. Alors, quand tu nous as, au début de l'exercice, tu nous as amené à identifier des tensions dans le corps. Par exemple, moi, j'avais des tensions dans les trapèzes, tu vois, là, dans la nuque et les trapèzes. Et est-ce que cet exercice-là, on peut le faire vraiment plus en appui, avec un appui pour la tête, si on sent que... Parce que j'ai souvent, moi, l'impression que, justement, quand la détente arrive, j'ai du mal après à garder, tu vois, une position assise vraiment confortable. Est-ce que je peux faire allonger? Est-ce que je peux vraiment m'appuyer ou il faut quand même garder une certaine tenue, entre guillemets? Alors, en sophrologie, on travaille beaucoup assis et debout. On peut travailler allongé aussi. En fait, les postures sont libres, mais ce qui est important, c'est de se sentir dans son confort. D'accord. Donc, Donc, on peut se caler, on peut avoir soit le dos très tonique, soit être appuyé vraiment même la tête. Oui. Après, quand les tensions apparaissent, c'est les tensions qui sont en fait déjà présentes dans notre corps, mais qu'on n'a pas forcément écoutées, on n'a pas le temps. Et donc, à un moment donné, dans ce silence du corps, dans cette tension qui va sur la tension, c'est ce qui permet derrière d'activer un relâchement. Donc, quand la tension s'exprime,
Elle va avoir un temps limité de vie. Il ne faut vraiment pas du tout y résister. En fait, il faut l'accepter. C'est notre corps qui nous alerte aussi que peut-être, oui, au niveau du cou, du dos ou d'autres parties du corps, ça tire un peu trop. Respirer vraiment dans l'attention. Être vraiment dans la bienveillance, dans l'acceptation. Après, on ajuste toujours la posture. Si à un moment, ça tire, si à un moment, on sent que la tête part et qu'on n'est pas bien, d'accord, on peut y aller, tout à fait. OK. Que soit la posture qu'on a choisie. On peut aussi faire ça en position couchée. Après, tout ce qui est énergisant, dynamisant, on va plutôt prendre une position de vie, donc assise ou debout. D'accord, ok, super. Ben, merci pour ces précisions, c'est top. Alors, je rappelle que toi, Isabelle, tu as activé la téléconsultation. Donc, ben, voilà, si vous ressentez le besoin d'aller un peu plus loin et d'avoir aussi une approche plus personnalisée, ben, Isabelle, tu peux recevoir les gens à distance en visio. Notamment sur les problématiques que tu as évoquées en début de live, qui étaient donc la gestion du stress, l'anxiété, les problèmes de sommeil. Je pense qu'il y a pas mal de gens, malheureusement, dans ce cas-là en ce moment. Et puis, je rappelle aussi que tu fais partie de l'opération pour les soignants, puisque une large partie des praticiens de médecine offrent des consultations gratuites pour tous les soignants, que vous soyez à l'hôpital, dans le privé ou en libéral, ainsi qu'au personnel hospitalier. Voilà, donc ça me paraissait utile de le rappeler. Donc, si vous êtes vous-même dans ce cas-là ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être concernées, n'hésitez pas à diffuser l'information. Merci encore, Isabelle, c'était vraiment top. Et ben, moi, je vous dis à demain pour un nouveau live et je vous souhaite une excellente fin de week-end. Au revoir, Isabelle. Au revoir. À bientôt. À bientôt.